Regardez la Bible, la Bible montre que c'est exactement 6. 6. Devant 6, il y a 7. 7, c'est quoi? À la fin de 7, il a G. Il a G. G muscle. Devant lui, il a quoi? Il a H. H. H et je l'ai dit que H c'est le miroir. Comme d'un tiroir. Un tiroir. Comme le tiroir, ouais. Qu'est-ce qui couvre le tiroir là? C'est quoi? C'est la lumière. Et le contenu du tiroir là, c'est ça qui est l'image. L'image qui est à l'intérieur. Et c'est comme ça. Cette image là, c'est un butin. C'est un butin. Ainsi, à la position, H à la position vitale dans la papier, à la position vitale dans le courant, c'est quoi? C'est le butin, la sorte de butin. Et H est souvent bien, ou bien il se pense comme R. H de haricot, par exemple, il est mieux. Et dans le mot roux, par exemple, il se pense R. H, il est mieux parce que quoi? H, parce que l'image de miroir est miette. Et se prononce R parce que R est quoi? Le foudrement du tonnerre. Et vous savez que le tonnerre, c'est quoi? C'est un gardien de miroir. H, tout ceci pour dire que H, c'est quoi? C'est un miroir. Et cette qui est devant H, cette personne-là, c'est une personne qui est devant le miroir. C'est une personne qui est devant le miroir. Il veut l'ouvrir. Il veut l'ouvrir. Voilà, cette. Ça se dit 7 comme ça. Il a serré le poignet de la porte. Il a serré pour l'ouvrir. C'était pour l'ouvrir comme ça. Et voilà le poignet de la porte. Et puis il a serré, voilà sa main ici. Il a serré pour l'ouvrir. Et puis c'est devenu comme ça. La verticale, c'est comme ça. Et quand il a fait comme ça, il a constaté que quoi? Que c'est fermé. Quel est le G? Ça c'est fermé. Parce que ouvert, on va le s'ouvrir comment? On va le s'ouvrir comme ceci. L'opposé de ceci. Ça c'est ouvert ça. Ici c'est fermé. Donc là, pour ça que c'est fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'absence de lumière. Parce que c'est la lumière qui ouvre la porte. Et puis, regardez bien, c'est lui. Le petit 7, c'est ceci. Ici, nous sommes exactement au nombre 9. Donc il est venu, voilà, après, ici c'est 8, hein? Après vu qu'il a 9, à la prochaine 9, on a fait ça, c'est 8, toujours qui est venu ici, et puis il a voilà son doigt, il a appuyé sur le détecteur, et là la lumière maintenant va le dessiner d'en bas dans le miroir. Et voilà 7, la lumière le dessine dans le miroir, la lumière, vous savez que le miroir inverse l'image, inverse l'objet. L'image là, c'est l'objet renversé. Pourquoi ça? On verra ça tout de suite. L'image là, c'est ça qui est quoi? Qui est F. F, vous voyez là. Et l'image est le miroir. C'est cette affaire qui est renversée. C'est comme ça. F, vous voyez là, c'est quoi? C'est l'image de. L'image du 7 tout en bas dans le miroir. C'est ainsi que quoi? Ainsi que P devant H se prononce fort. Donc F. Parce que H, c'est ça qui est le miroir. Et P là. P, il a la position 16. Et 16, c'est quoi? 16, c'est 7 plus 9. À la position 7, c'est ça qui est G. C'est ça qui est dit. C'est 7 de G. C'est lui qui est venu quoi? À la position 9 ici, appuyer sur le détecteur. Le 7 là, 7 qui c'est la vie, c'est le 7 qui est venu, c'est le 7. Alors, le petit c'est G. G qui est exactement à 9. C'est toujours lui, comme il a conseillé que le mur n'est pas ouvert. Donc il a conseillé que c'est qu'il a absence de lumière. Et puis il a compris, il est venu ici. Off, il a appuyé sur le détecteur et il a sa lumière. Il a eu la lumière. Il a mis la tissu. Donc depuis là, c'est quoi? C'est également lui, c'est lui 7.